Oh, le ballon chaud maintenant à négocier pour Amel Boudera. La pression à deux. La meneuse de jeu était prise en tenaille. Le tir à trois points de Fraser. Énorme shoot. Les grandes joueuses dans les grands moments. Le réveil de Fraser dans la fin de match. Van Loo qui traverse le terrain. Qu'est-ce que c'est que ce match? C'est pas possible. C'est pas possible. On a basculé dans la quatrième dimension. 74-76. Il faut défendre sur Milic. Milic qui réussit dans un fauteuil ce tir. Et ça court de l'autre côté aussi vite. Van Loo, elle est possédée. Van Loo possédée. La Belge est en feu. Elle vient d'enchaîner 3 tirs à 3 points de suite. 77-78. 27 secondes. Collet balle en main. Pour l'instant, c'est Charleville-Mézières qui va l'emporter. Mais rien n'est fait. Oh, c'est irréel. Le 2-1. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Maintenant que ça va se jouer en moins d'une seconde, elle va tout faire pour le manquer et donc offrir à l'une de ses coéquipières un rebond offensif et deux points. Sinon c'est terminé. Sinon c'est terminé. Oh, ça rentre. Non. Mais après le buzzer. Ça rentre mais après le buzzer. La victoire a priori pour les Flammes Carolo. La lumière rouge qui va s'allumer juste à quelques millisecondes. On n'est pas passé loin d'une prolongation, messieurs, dames. Dans une après-midi complètement folle, c'est bien Charleville-Mézières qui va s'imposer à l'extérieur, Mélissa. Quelles émotions!